Kylian Mbappé ne jouera pas avec l'équipe de France contre Israël jeudi prochain. Didier Deschamps ne l'a pas retenu dans sa liste. Hier, le sélectionneur a usé de la langue de bois pour ne pas accabler Mbappé, expliquer la raison de son choix. Elle est pourtant simple. Mbappé a perdu le fil. Mbappé n'est plus le joueur qu'il fut au commencement de sa carrière. Il a 25 ans. Il est donc encore très jeune. 25 ans pour un footballeur annonce une période de maturité et d'excellence. Quand à 17 ou 18 ans, vous êtes promis à un parcours exceptionnel. Hélas, ce n'est pas le cas. Mbappé a perdu son accélération. Il n'est plus décisif devant le but comme il l'était il y a 5 ans. Le sport de haut niveau est une école d'exigence et Deschamps est contraint de le sortir. À tort ou à raison, Deschamps analyse que son équipe est plus performante sans Mbappé qu'avec. Deschamps est courageux, il fait des choix. Il sait aussi que son vestiaire le regarde. Il n'y a pas de passe-droit dans le football. On ne sélectionne pas un CV ou un palmarès. Deschamps retient les meilleurs et il pense collectif. Souvenez-vous, Jacquet avait écarté Eric Cantona et David Ginola en 1998. Deschamps applique la même logique. Le groupe d'abord. Le football est une morale. Le football est une école. Et Deschamps est un chef. Le chef des chefs. Et chacun le sait, un chef, c'est fait pour cheffer. C'est ce qu'il a fait hier.